Article 7. Quand allez-vous vous réveiller? La dernière fois que je vous ai parlé, je disais aussi clairement que je pouvais, à travers l'esprit de ma porte-parole. Quand allez-vous vous réveiller, grandir et décider que vous aurez le courage de rejeter vos vieux mythes bien-aimés d'un Christ saignant sur une croix, payant pour vos péchés? Quand accepterez-vous ma vérité, la vérité que moi, Jésus, j'étais perçu comme une menace pour la paix publique et une menace pour les dirigeants juifs, parce que j'enseignais aux gens un Dieu d'amour, un Dieu qui n'avait pas besoin de sacrifice. J'ai enseigné aux gens que le pardon est essentiel pour vivre une vie heureuse et saine, alors que les Juifs enseignaient œil pour œil et que leur Dieu les envoyait mener des guerres saintes contre les païens. Moi, le véritable Christ, je leur ai enseigné qu'ils ne devraient pas s'inquiéter des gobelets sales, mais qu'ils devraient surveiller ce qui sortait de leur esprit et de leur bouche. Ceux qui ont de la perspicacité et de la compréhension reconnaîtront que je suis revenu et que je m'étends sur ce sujet simple, et que j'explique pourquoi j'ai enseigné les principes de la vie, dont les gens ont maintenant un besoin tellement urgent pour se sauver eux-mêmes, ainsi que la planète, d'un désastre général. Lisez la lettre 1 jusqu'à ce que vous la compreniez pleinement. Lisez les lettres 5 et 6 jusqu'à ce que vous réalisez pleinement. Que vous pensez et ressentez avec la même énergie que celle à partir de laquelle votre monde est créé. Que vos pensées sont des plans électromagnétiques qui s'extériorisent finalement comme des événements et des choses dont vous avez eu soit très envie, soit très peur, ou des choses semblables à celles bonnes et mauvaises que vous avez faites aux autres. Ne rejetez pas ces lettres comme n'ayant aucune incidence sur vos vies. Elles expliquent exactement pourquoi l'amour est la substance même avec laquelle votre corps a été façonné. Quand vous vivez avec de la colère, du ressentiment et de l'aversion dans vos cœurs, vous créez activement des forces négatives qui, progressivement, sapent votre santé et détruisent votre corps et vos vies. Parce que les lettres décrivent la véritable nature de ce qui a amené toute chose visible à l'être conscient et votre relation exacte à cela, avec l'aide de ces lettres, vous pouvez changer votre propre moi. Vous pouvez devenir le genre de personne avec qui vous serez heureux de vivre. Il n'y aura plus jamais besoin de vous dire, de vous aimer et de vous respecter vous-même. Quand vous aurez lu et relu et vécu mes lettres quotidiennement, vous vous respecterez et vous vous estimerez vous-même spontanément, naturellement, joyeusement. Vous vous réjouirez de qui vous êtes vraiment et de votre potentiel illimité de créativité. Ceci n'est pas un enseignement New Age. Mon enseignement christique reste et restera le même pour l'éternité. C'est le Père, la conscience divine, qui a accompli l'œuvre de la créativité en moi, et qui l'accomplira également quand vous aurez surmonté l'ego, quand vous aussi deviendrez amour universel.